chan chan, en el mar se ría una arena, como sacudía el jibe, a chan chan le daba pena. Bravo! Quel danseur! C'est beau, hein. Eh, à ton âge, c'est beau. Hein. Voilà. Je t'ai fait un menu extrêmement simple, avec des vins qui vont avec. C'est-à-dire, tout ça, c'est très modeste. C'est moins de 10 euros par personne, donc ça ne va pas te coûter très cher. Très bien. Mais c'est pas mal, attends, 10 euros, ça fait 65 francs quand même. Tu comptes les vins ou pas? Bien sûr. Alors, pour 10 euros, on a une soupe. Oui. Bon, ça, une soupe, c'est pas cher. Oui, mais le champignon de Perrin n'est pas cher non plus. Mais le problème, c'est pas que ça soit cher ou c'est que ou ce soit bon. C'est que ça soit bon. Ensuite, t'as fait de l'agneau. Un rich stew. C'est un plat irlandais, classique, traditionnel, des pommes de terre, belles de Fontenay, ouais, avec des oignons, des échalotes et de l'agneau collier. Quel morceau? Le collier qui est moins collier cher. Ou le collier, ah, il est quoi? Il est à 22 euros le kilo, le collier. 27, oui. 27, tu vois, putain. Et du bas de côte, ça vaut 12 euros. Donc on va se régaler quand même. On va Stella manger. Nous a fait, pourquoi, pour 25 euros, une salade de tub en entrée la semaine dernière. Ah oui, mais c'est elle, et pas moi. Ouais. Il y a un vrai truc entre vous qui se passe. Oui, mais je le sens. C'est étonnant, hein, je pourrais dire j'y étais. Hein. Non, bon. Attends 5 minutes avant de dire je le sens, parce que... Bonsoir. Bonsoir. Au fond de la cour, tout au fond. Pardon? Au fond de la cour, tout au fond. Au fond D'accord. de la cour, tout au fond. D'accord, merci. Et une tête de sang. C'est magnifique. On mange du sanglier ce soir? Oui, tout à fait. Le reste. C'est les restes. Voilà, voilà. C'est le petit-fils de Laurent. Bonsoir, ma belle. Enchanté, Stella. Enchanté. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Je trouve qu'elles sont bien grandes ce soir, tout le monde. Enchanté. Bonsoir. Bonsoir. Oh, monsieur Koff. Bienvenue. Si. Monsieur Koff. Bonsoir, mes amis. Formidable. Oh, que tu es grande. Il est là, mon cher Laurent. Je triche. Bon, mais enchanté, je crois qu'on s'était jamais rencontrés. Ça va, Laurie? J'ai eu une année très bonne. Antoine, la voilà la salope, la pomponnette. La pomponnette, elle est revenue. Elle est revenue, la pomponnette. Pomponnette, salope. Qu'est-ce que tu veux boire, poulette? Viens. Comment vas-tu, camarade? Comment va ta fille? Jean-Pierre Koff, Hugo Frey. T'as le bonjour. De Marie? Oui, t'as le bonjour de Marie. Ah, il faut que je te montre quelque chose de magnifique. Tu sais que j'ai... Est-ce que tu sais que j'ai mené la revue de l'Alcazar avec Marie, la fille Hugues? Mais oui, pendant des années, nous étions ensemble. Je vais te montrer quelque chose qui va te faire. Antoine, c'est bien Antoine. Camarade. Il était très connu dans les années 60. Antoine, assieds-toi. Qu'est-ce que tu bois, Laurie? Est-ce que vous... Rouge, blanc, champagne. Antoine, alors tout me va. Champagne. Allez, champagne. Tu bois toi? Champagne? Moi, je vais boire ça de champagne et ça d'eau. Enfin, pas mélangé, hein. Bah, je vais faire comme lui, un petit, tout petit peu de champagne. Voilà. Non, faut picoler, sinon on va pas la baiser, hein. Ça va pas nos... c'est toi, jeune, ça. C'est le silence, hein. C'est le dernier de Marie? C'est ton bébé. C'est la petite fille de Marie. Voilà, ma belle. Merci. T'es arrière-grand-père? Ouais. On dirait qu'il a 50 baleines. Tu as quel âge, Jean-Pierre? 75, hein. On n'a pas le droit de parler d'âge. Jeune. Vous voulez que je vous dise quel âge j'ai? C'est qu'ils font les mêmes lunettes. Ils font les mêmes lunettes avec des machins qui tournent dedans, comme ça. 21. Pour le mal de mer. Ah bon? Il y a des... Oh non, 21. On en a baisé des plus 21. Jeunes. 21. Antoine, t'en as baisé des plus jeunes? Vous avez 21 ans. Mmh. Non, mais peut-être pas des aussi grandes. C'est possible. Aussi grandes, je sais pas. Non, aussi grandes, non. Aussi grandes, je sais pas. Ce qui est formidable, c'est qu'il a 82 balais. 83. 83. Et il bande encore. Il bande encore. Mais... Quel âge vous avez? 83. Mais non. Mais si. Mais non. Il a deux mais femmes. Si. Donc, vous pourriez être ma petite fille, bien sûr. L'âge de ma grand-mère? Ben oui. Oui, mais toi, tu montes à cheval, tu fais du sport. Oui, oui, oui. Non, je suis comme Churchill, je... Never sport. No sport. Et t'as combien de femmes, Hugues? Comme disait Churchill, la phrase complète. No sport. No sport. Mais il disait, si, quelquefois, je fais de la marche à pied quand je suis les enterrements de mes amis. Sportif. Est-ce que tu veux avoir la gentillesse de te raser avant que ça commence? Ça va être difficile. Ça va être difficile. On a essayé. Parce que ça fait mauvais. Même les lames de rasoir les plus solides n'y arrivent pas. C'est vrai. Elles résistent. Oui, c'est pas possible. Donc Antoine, toi, t'as ressorti un disque. Ça faisait combien de temps? Moi, ça faisait que 25 ans, donc c'est juste hier, quoi. Et tu nous invites à l'Olympia, là? 14? Non seulement, vous êtes forcé d'y aller. J'ai envoyé. Tu sais que quand j'étais enfant, on m'appelait Antoine. Ah ouais? Non, t'as décapoté maintenant. Maintenant, je. T'as décapoté, t'as. Je ne supportais pas Antoine le surnom. Antoine décapotable. Mais on m'appelait comme toi. Ah ouais?
Moi, j'ai et alors, ça te mettait en colère? Moi, j'ai non, j'étais ravi, je t'écoutais, oui. J'étais fan. Moi, je connais quelqu'un qui a, beaucoup souffert de ça. J'ai déjà mes places, figure-toi. T'as déjà tes places? Ah ben écoute, le 14, on va s'éclater. Menteur. On va s'éclater, hein. Et vous allez être en tournée ensemble? Toi, ça fait un an que t'es en tournée avec Troubadour? Moi, j'arrête pas. Ça fait 50 ans que je suis en tournée. Oui, mais là, ton album, c'est pas... Alors, je viens de faire un album qui a un nom particulier, il faut que je vous l'explique. Parce que les gens ne comprennent pas. C'est Troubadour since 1948. Personne ne comprend. On dirait que c'est une faute de frappe. Alors, Troubadour, c'est la forme occitane du mot troubadour. Since 48, parce que mon premier cachet, j'ai 18 ans, c'est en 1948. Parce que pendant 10 ans, c'est-à-dire entre 48 et 58, je vais chanter que de cabaret en cabaret, sans aucun objectif de carrière. Je voulais être sculpteur, je ne pouvais pas faire les beaux-arts. Et donc j'ai fait des cabarets. Et ça a duré 10 ans jusqu'au jour où j'ai gagné un concours d'amateur. Et j'ai gagné un contrat chez Barclays, c'était en 59. Ma carrière de professionnel commence en 59 et j'ai 30 ans. Pendant que les vieux ils se racontent leur vie, tu veux pas qu'on aille dans une chambre et qu'on se raconte... C'est l'histoire du petit poussé, tu me borderas. Oui, oui, voilà. Non mais moi je veux bien aller faire une petite sieste en attendant, mais... Parce que là... Pendant que le petit poussé lui il tirait, c'est ça, non? Mais quoi, on vous emmerde ou quoi? On est en train de vous raconter... Stella. On est en train de vous raconter de l'histoire... Ça l'emmerde. Vous m'écoutez? Elle s'ennuie, elle est jeune, elle a 21 ans. Pardon, excusez-moi. Elle s'en fout de savoir quelle rue a brûlé. Vous avez une chance extraordinaire, on est en train de vous raconter l'histoire de la variété française et vous êtes en train de vous emmerder... Oui, une petite zazade avec la mayonnaise, c'est ça la variété française. Mais tu fais honte à tout le groupe. Rougis de ta conduite. C'est tombé. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est star, emblématique. Mais dis-moi, de la variété française. Dans le disque là, dont tu parlais tout à l'heure, ce dernier disque là, que j'ai fait, là, il y a une photo extraordinaire. Cette photo, c'est une photo que j'ai trouvée 3 mois avant la sortie du disque. Quand j'ai vu cette photo, j'ai dit, il faut qu'elle soit dans le disque. Cette photo, elle a été faite en 1948, le jour où mon père m'a dit, je ne suis pas d'accord pour que tu fasses les Beaux-Arts. Et je lui dis, papa, je vais me débrouiller. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui dis, je vais prendre ma guitare et je vais chanter. J'ai passé une audition ce jour-là devant un type, tu dois connaître. Tu te souviens des 4 barbus? Bah, évidemment. Alors, j'étais à la Partouze, hein? 4 barbus. À la reconnu les 4 barbus? Fontaines. La truc des 4 fontaines. C'est pas le pet show, là. La fontaine des 4 saisons. C'est moi. Bonsoir. Au fond de la cour, tout au fond. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Non, madame. Non, attends, on se connaît déjà, nous deux. Salut, ça va? Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bah, très heureux. Moi aussi, moi de même. Par contre, les garçons, je dois vous débarrasser de ce que... Ah, la bande de Gaza. On a les deux vieux. Les deux vieux en boucle, là, c'est un enfer. Mais oui, ah, il faut des jeunes. Il faut des jeunes. On va essayer de faire un truc. Tu vas bien. Alain, je te salue. Ben, je te salue aussi. Mon maître à penser. Bon chéri, comment vas-tu? Je veux te voir. Oh, oui, moi, non. Comment vas-tu, mon... De vieux PD, c'est horrible. Tu comptes à vous, ça, Raphaël? Oui, alors. On fera goûter. Oui, on va. Alain Baraton, jardinier en chef du château de Versailles. Excusez du peu. Mademoiselle. Enchanté. Bonjour. Excusez du peu. Bonjour. Et il faut rajouter qu'il n'a pas pris une binette depuis 30 ans. C'est élégant. C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau. Liceo Santiago. Qu'est-ce que c'est, Jean-Pierre? Il vit 400 ans. De l'ambiance de merde. Bravo, Raphaël. Je vois qu'on va très bien dîner. Je vois plein de choses. Je vois de la convivialité. Passez-moi un stylo, on va lui faire un feutre. On va lui faire des yeux derrière. Mais oui, comme ça on saura jamais. Oula putain, vous êtes où? Ah mais c'est terrible. Fais voir. Ah non mais c'est incroyable. Ah
j'adore. Putain, c'est pas des lunettes qu'il te faut, c'est un labrador. Wow. On dirait Marcel Achat. Oh, la violence, essaye. Ah, c'est bien, je vois clair. Ah, bah, c'est très bien. Ah, moi, ça va. Ça va bien. Revoir les tiennes. Oh, c'est à peu près comparable, écoute, c'est du même genre. Hein. Écoute, je vais proposer ça à mon sponsor. Comme nouveau modèle. Ah, ouais. On s'y met tous, alors. Non, non. J'en ai eu. Toi, t'es beaucoup trop jeune pour ça, rien à voir. C'est pas presbyte. Pas encore, ça va venir. C'est pas mal ou pas? Ça a grossi les yeux, ça. Calmez-vous. Je veux que tout le monde se calme. Ah, ça te va bien. Je pense, en tout cas, je te vois pas, mais ça fait du bien. Tu peux hurler, Atoll. Atoll. T'es sûr? Refais-le-moi. Allez. Atoll. Et si on passait au salon? Ah, j'ai fait une blague à Juliette Arnault, je lui ai dit que c'était une soirée déguisée. On est tous déguisés. Ah oui, c'est vrai, ouais. Il m'a dit ça au téléphone. Il dit, un salaud. Oui, c'est salaud, mais si on ne peut pas faire chier ses potes. Au salon. Elle n'est pas très à l'heure, quoi. Passons au salon. Ah, bah, il y a de la lecture. Qu'est-ce que tu fous là avec ça, là? N'importe quoi. Laisse. Mais non, pas du tout. Assume. Je ne suis pas une femme objet, c'est quoi? Et Geneviève, elle m'a dit quelle honte qu'elle est posée à poil. Je ne suis pas à poil. Quand même. C'est pas à poil, ça? Hein? Ça, c'est pas à poil, ça. On voit rien. On a tous fait des photos comme ça. C'est encore autre chose. On a tous fait des photos comme ça ici. Je suis pas à poil. T'es pas à poil là? Je ne suis pas à poil. J'ai un bas de maillot, je te le confirme. Un bas de maillot, c'est-à-dire quoi? C'est des chaussettes ou quoi? Tu vois tout le monde à poil, Laurent, c'est ton problème. Il est où ton bas de maillot? C'est des conneries. Alors, tailleur, moi je vois un tailleur. En quoi ça te dérange? C'est pas moi que ça dérange, c'est Geneviève. Elle m'a dit, texto, elle m'a dit, elle était mignonne, mais pour moi, c'est une pute. Mais Geneviève ne raisonne pas comme ça. Après, Laurent, pourtant, pour toi, Laurent, je suis quoi? Parce que Geneviève, bon, je ne l'ai pas côtoyée. Laissez-moi regarder que je juge. Non, elle est pas vulgaire, cette photo. Antoine, je te connais, tu vas décaloter. Antoine. Regarde-le là-bas, il est en train de dragouiller. Jean-Pierre, tu viens? Deux anciens amants. Jean-Pierre, alors non, il est là. À propos de pute, tu sais que Antoine, il a partousé avec Claude François. Oui, je n'ai pas partousé avec Claude François. Oui, t'as baisé la même pute. Quand j'étais chanteur en Italie, la première fois que j'ai eu un succès, un tube en Italie, c'était en 67, j'avais 22 ans, quoi. Ouais. La maison de disques, pour fêter ça, elle invitait des artistes, non pas à un dîner ou à un cocktail, elle les invitait dans un petit bordel, là-bas. Qui était, c'est ce qui se passe ce soir, hein, Antoine, t'es pas au courant. Ouais. Bon, quand j'ai rien vu pour l'instant. Et c'était une chose tout à fait normale, quoi. Et ce jour-là, c'est le premier jour où j'ai rencontré Claude François, voilà. Est-ce que vous avez baisé la même fille? C'est ça que je veux savoir. D'abord, on n'a pas baisé. Dans un bordel, on fait l'amour, peut-être? On a ou fait, des photos. Oui, non, c'était, ça, c'est des idées en plus, très c'était... perverses. Jean-Pierre. Dans un bordel, on va avec sa femme, des copains, un ami, et on s'amuse. Ses enfants, parfois. Oui, on emmène les gosses. On emmène les gosses. Il faut qu'ils apprennent la vie. C'est un parc d'attractions. On fait la turlute enchantée, le grand 69. T'as une photo comme Space Mountain, à la fin? Tu as une idée extrêmement castratrice du bordel. Le bordel. J'ai pas connu le bordel, moi, Jean-Pierre. J'ai qu'une image un peu comme ça, un peu. Bah oui, mais faut supprimer cette image. Alors, je veux c'était apprendre. C'était formidable. D'accord. Chez Madame Carmen, rue Fontaine, c'était une maison délicieuse où on buvait du champagne avec les jeunes filles, où on allait, enfin des jeunes filles, où on allait ensuite dîner, où on chantait, accessoirement, on allait. Mais. Finis tes phrases. Mais parce que vous avez une mauvaise image de la prostituée. Une prostituée de qualité, on lui bouffe le cul, mon petit bonhomme. Voilà, c'est ça que je suis venu pour ça. Est-ce qu'il y a un label rouge? Et c'est que non, en cuisine, hein, c'est de quoi il parle. Non, mais bien sûr, on a un profond mépris pour les prostituées, alors qu'en réalité, elles méritent beaucoup de respect. C'est vrai. Ce sont des femmes charmantes qui apprennent souvent à des jeunes gens de faire l'amour convenablement. Et ce sont des femmes qui sont extrêmement propres, très gentilles, pas forcément amoureuse, on n'est pas là pour ça. Mais on peut tomber amoureux, peut-être. Bien sûr. Il y en a, ça arrive, oui. Hugues, toi, t'as été au bordel? J'ai été une fois, mais je ne suis pas rentré, je n'ai pas osé. Oh! Non, mais attends, c'était à Istanbul. Istanbul, ça, attention, il faut serrer pareil, les fesses. Non, c'est pas pareil. C'était je suis resté 6 mois à Istanbul. J'étais très connu en Turquie, moi. J'étais avec Aznavour, on était les deux plus grandes vedettes. Et je suis resté 6 mois, et un jour, il y a un copain qui m'a dit « Viens, je t'emmène », etc. Ah, c'est France Gall qui t'a dit ça. Je suis arrivé, et quand j'ai vu la porte, tu vois, je suis pas rentré. Jean-Pierre, ton plus beau souvenir de bordel, c'était quoi? C'était chez Madame Carmen. On s'est amusé comme des fous. On avait, écoute, on était avec... C'est pas... On allait très souvent chez Madame Carmen pour rigoler, pour boire des coups, pour bavarder. Et je dis bien pour boire des coups, bavarder et rigoler. Et
nous avions une obsession, c'est de dire à Carmen, dis-moi... Céline. On voudrait être derrière la glace Santa, voir ce qui se passe. Et alors donc, un jour, elle nous fait l'honneur de nous inviter à l'initiation d'une jeune femme. Et alors, on arrive... Oh, quand tu poses le verre, c'est qu'il va se branler. C'est pas bon signe. On boit un coup, et elle nous dit, venez dans la chambre. Et on arrive dans une chambre, et il y avait une jeune fille qui arrivait de Bretagne. Carmen dit à cette jeune femme, écoute, le client ne se présentera pas, mais il est derrière la vitre, et il voudrait que tu te branles avec un égouttoir sur la tête. Va voir, va chercher l'égouttoir. Oh, je suis content d'être venu. Tu vois l'égouttoir qui est là. Mais si, sur lequel on a mis la salade tout à l'heure, chérie, réfléchis. On est tous les trois comme des cons avec une bouteille de champagne et en train de regarder la fille qui est à poil sur son lit. Elle se masturbe. Beaucoup de gentillesse. Enfin, et Madame Carmen lui met un petit mot. Le client n'est pas content, tu ne te donnes pas assez de mal. Elle reglisse le papier sous la porte. La fille se lève, elle tape à la porte, la fille prend le papier, elle lit ça. Et alors elle est dans le lit, complètement folle, et tout à coup elle fait un barouf absolument extraordinaire. Et puis, au bout de 5 minutes, nous sommes rentrés dans la chambre de cette jeune femme, et nous avons ri comme des fous, bu le champagne avec elle, et évidemment nous l'avons... proprement honoré. Oui. Mais j'ai pas belle compris. Bah, tu vas voir. Voilà c'est toi, monsieur Jean-Pierre. Elle avait, imagine la malheureuse sur un. On imagine, on imagine. En train de se branler, t'imagines ce que c'est. Toi qui as les clés de Versailles, est-ce que tu as déjà fait des trucs un peu. À Versailles. Oui. Oui. Sérieux bah, avec Claude François. Résumons les enfants. 1991, je divorce. L'année de mon année de ma naissance. Bah oui, c'est la raison pour laquelle il divorce. C'est pour ça qu'il a divorcé. Ouais, ne remue pas le couteau. 91 ans. Je me retrouve seul, il faut draguer. Pour draguer près d'une piste de ski, il faut mieux savoir ce qu'il est. Il y a les clés du château de Versailles, c'est pas mal pour draguer. Pas mal, pas mal. Voilà. Donc moi je draguais parce que j'avais les clés. Donc mon truc à moi, c'était la chambre. En fait, c'était les chambres. Chambre du roi, chambre de la reine. Imaginez la petite japonaise qui a économisé pendant des années pour venir. Elle arrive le lundi. Le soleil. Jour de fermeture. Et là, il y a un type qui a un trousseau de clés. Donc, effectivement, il y a prescription, mais il m'est arrivé de... Mais je voudrais revenir sur les bordels. Pardon, est-ce que tu as baisé dans le lit du roi? J'ai fait tous les lits. Et la galerie des glaces, c'est bien pour voir le cul de sa partenaire? C'est assez amusant. T'as regardé, ouais? Oui, mais... T'as baisé dans la galerie des glaces? Non. Avec une passoire sur la... Non, parce que je crois que la galerie des glaces ne supporte pas la médiocrité, et je préfère m'abstenir. Mais est-ce que tu pourrais, moi, m'ouvrir la galerie des glaces pour que j'y aille? À Versailles, il est chez lui, toutes les portes s'ouvrent. Mais il est chez lui partout, Jean-Pierre. Hein? T'es chez toi partout? Non. Mais si. Bah, tu connais tout le monde. Les gens t'adorent. T'en as rien à foutre, tu mets du vert avec du bleu, t'es complètement dégagé. T'en as plus rien à foutre de rien. Ce qu'il aime beaucoup, Jean-Pierre, quand il vient à Versailles, c'est réfléchir sur Marie-Antoinette. Une reine qu'il vénère plus que tout. Ah bon ? Pourquoi ? Ta gueule, c'est... Il la supporte pas. Oh, mais cette espèce d'icône que Versailles installe autour de Marie-Antoinette me fait profondément chier. Je trouve ça parfaitement... Il finira par me faire virer, moi. Non, je cherche pas à faire virer. Grâce à tes yeux, alors. Favori. Louis XV. Louis XV, pourquoi ? Parce que c'était pas une salope. C'est le grand roi botaniste de ce pays. 8000 pédophiles. Oh, c'est bien. Ah bon, il y en a des sympas. Mais ça n'est pas fait pour me déranger. Zapping. Circonné, zapping. Circonné, en fait. Le mec, il parle très peu. La réincarnation de Louis XV, le voici, Jean-Pierre Coff. Imaginez que quand le roi Louis XV est mort, son cercueil a été évacué de nuit du château pour éviter qu'on ne danse sur son passage. Ah ouais. C'est quand même délirant. Et lui, c'était un gros partouzeur. Ah, énorme, avec la Dubarry. La Dubarry qui avait mis en place... Il y avait du foie gras tous les soirs, et meilleur que le tien. La Dubarry avait mis en place un jeu assez amusant que je vous recommande d'essayer, justement à l'occasion d'un dîner. Chaque fois qu'un plat arrive, les convives quittent un vêtement. Et dès qu'on se retrouve nu en même temps qu'une complice, le couple est fait. Eh bien, c'était le grand jeu de la Dubarry. Ah, le couple est fait, voilà. Le couple. Et là, c'est une amie qui va arriver déguisée. Je vous demande le plus grand respect. Oh, c'est soft. Eh, tu t'en sors bien, poulette, hein. Bravo. J'ai failli venir comme ça, bravo. Si. Je m'en sors très bien. J'espérais mieux, hein, franchement. Hein. Je suis super déçu, regarde. Parce que je suis maligne. Ça va?
Oui, t'es toi. Pas fait niquer, hein. Non, t'es pas fait non, parce que, hein. Non, parce que j'ai des copains qui font ce genre de blagues. Alors. Merci, ma belle. Votre sac aussi, peut-être Juliette. Tiens, parce que je suis pas mauvaise. Oh, tiens, poubelle. Direct poubelle. Va chier. Ok, très bien. Non, je le garde. Non. Je te jure, je le garde. J'y tiens, c'est du vin italien, il est bon. Eh, c'est bon ça ? C'est de la merde. Pour moi, c'est de la merde. Oui, je sais. Hein ? Oui, c'est pas utile de voir ça. C'est pas utile de voir ça, Jean-Pierre Coff. C'est pas utile. Je le garde ? Non, on va le boire, mais Jean-Pierre Coff a dit c'est pas utile de boire ça. C'est un joli vin. Où c'est que je m'assois ? Jean-Pierre, tu vas faire ton équipe. Hugues, tu fais ton équipe. On va faire un tournoi de babi, on fait ça à chaque fois. Tu connais le stade du Roudourou à Guingamp ? Ah, le stade du Roudourou ? Évidemment. Comment tu peux gagner avec un autre stade comme ça ? Ce qui est formidable à Guingamp. Merci. On est là ou pas ? Allez, vite. Allez. Ah ben non. C'est connu ou quoi ? Mais ils ont marqué. C'est comme ça que ça se passe. Mais non. C'est les règles. Football, tu connais pas les règles. On fait les hors-jeux ou pas ? Ah putain, il faut que je fasse comme tout à l'heure. Non, là tu m'auras pas. Là, pourquoi ça vient marqué ? Hop. Ah, putain. Les roulettes, on n'a pas le droit. La Bretagne. T'as vu, là, je te fais une passe sur la gauche. Oh, mais surveille la Bretagne. Hugues, fais-moi une passe, sois cool. Non, mais il y a... Oh, la vache. Oui, 3-3. Mais il est folle. Oh, ben merde. Non, il a le droit. C'est Jean-Pierre Coff, madame, il fait ce qu'il veut. C'est tête de mort. C'est Jean-Pierre Coff. C'est tête de mort. C'est tête de mort. Oui ou non ? Quand même. Il compte pas. Non, il compte pas. Allez. Ah non. Jean-Pierre, concentration, engagement, but. Il ne passera pas. C'est pour ça que les deux sont... Je lève mes joueurs. Tu peux marquer le match. C'est un dîner, tout va être cramé. Allez, tapons. Allez, non, pas... Oh, tiens. Ah, vous avez gagné, c'est bon. C'est fini. À table. Non, on a vraiment gagné. À table. Tu aimes la soupe ? Quel connard ! Mon Dieu, qu'il est con ! Il a 83 ans, attends. Oh, mon Dieu ! Tu aimes la soupe ? Arrête ! Qu'est-ce que tu dis ? Tu veux de la soupe ? Ah, je suis très content d'être ici. Donnez-lui de la soupe à Hugues. C'est l'abbé Pierre qui a fait le menu, hein, on pense à l'autre. Voilà l'entrée de Jean-Pierre, soupe très chaude. C'est soupe très chaude. Oh, Laurie. Ta main, on va pas te manger. Attends, tu bouffes direct, toi. Non. Seigneur. Oui. Donnez-vous la main. Attends. Qui connaît alors ? Moi, je fais. Vas-y, fais-le. Alors, c'est une prière que j'ai inventée. Ah, merde. Que cette nourriture vous profite. Remercions ceux qui l'ont préparée. Et la nature à qui nous la devons. Ça, c'est l'islam. Vous pouvez manger. Merci. Bravo. Pas de cuillère. Bon appétit. Ah, alors, Jean-Pierre, présente-nous ta soupe. Merci, Jean-Pierre. C'est un potage de champignons de Paris. Bah, tu t'es pas fait chier. Même lui, il n'a pas l'air convaincu. Pas du tout, mais j'avais décidé... Sur le sable. Pour répondre à ton invitation, de faire un dîner un peu simple et modeste. Et là-dedans, je mets... Ils viennent de l'Est. Quelques courgettes non pelées. Et vous allez voir, ça donne un petit goût aillé qui est très inattendu. Levez la main, ceux qui ont un jardin. Bah oui, Alain. Bah oui. Mais c'est pas le tien. Ah oui, t'en as un. Antoine, tu vis sur un bateau, t'as pas de jardin. Ah oui, t'as ferme. Une jardinière, ça marche ? J'ai un jardin, c'est le monde. C'est joli. J'ai une ferme en Auvergne que j'ai gardée depuis... Tu y vas très peu. J'y passe un mois par an à peu près quand même. Ton jardin, il est grand comment ? 45 hectares. Merde. Ah ouais ? Ah, c'est Florent Pagny en fait. On croyait que c'était Antoine, mais c'est juste... Non, c'est j'ai acheté des landes, 45 hectares de landes, pratiquement incultes. C'est énorme. En personne ne voulait. Depuis 50 ans, depuis 45 ans, quoi, et j'ai toujours gardé. Quoi, et c'est tout à fait rustique. C'est un endroit où il n'y a pas eu un gramme d'engrais chimique depuis... T'as vu comment il a mangé vite la soupe ouais, on n'est pas à l'hospice, détends-toi. Tu vas pouvoir planter du topinambour, parce que tu sais que là, je suis en train de monter un je vais bientôt faire paraître un manifeste
Pour le topinambour. Oui, parce qu'avec le topinambour, tu fais du biocarburant de topinambour. Ben voilà. Oui, mais c'est-à-dire, tu peux même faire jusqu'à 40 000 km. Oui, mais déjà que les gens n'ont pas suffisamment à bouffer, moi, je trouve ça scandaleux d'utiliser la terre pour évidemment, pour dans la voiture. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais c'est pas vrai. Moi, je veux faire uniquement les terrains en friche. Le topinambour, il passe. Mais pourquoi tu fais pas des carottes avec le topinambour? À chaque fois que je l'invite, il me parle. Je m'en bats les couilles du topinambour. Va te faire enculer avec ton topinambour, voilà. Tiens, tiens, tu parles. Alain, je te demande pas si tu as un jardin, parce que tu es le jardinier de Versailles, donc ça fait con. Mais chez toi, est-ce que tu as un jardin? J'ai, moi, un jardin dans le jardin. Parce que toi, tu habites la maison de Molière entre le Trianon et le. Renseigné. Non, mais c'est incroyable. Non, non. Le petit et le grand Trianon. Moi, j'habite dans le parc, j'ai un jardin que Jean-Pierre connaît bien, qui est un jardin clos de mur tout simple. Relativement grand, il fait combien, 1000 mètres carrés à peu près? Plus. Voilà, un jardin planté d'arbres. Tu l'as taillé depuis que oui, un jardin, parce que c'est extraordinaire, mon conseiller en jardin, c'est Jean-Pierre. Parce que j'ai planté des arbres à écorce décorative. Il y a des écorces fabuleuses, tiens, pour votre jardin. Oui, oui, oui. Des écorces à cagoule, c'est ça? Non, non, mais elles sont belles, des bouleaux fabuleux, d'une blancheur incroyable. Des érables qui ont des teintes cuivre sublimes. Et Jean-Pierre était un peu effrayé de voir que le branchage masquait la vision des écorces. Et parce que... Ouais. Un des premiers livres que j'ai proposé à Alain, c'était dans une collection Les arbres que j'aime, et Alain m'avait fait Les arbres à écorce. Le monde des écorces. Le monde des écorces. Ouais. J'en avais dans mon jardin, grâce à lui, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ces végétaux. Il en avait mis dans son jardin également. Et moi, les miens, je les taille, je les... Non, mais si ça t'embête, ce qu'on dit... Pardon. Il est en train de se foutre de notre gueule en suçant sa soupe. C'est lamentable. Jean-Pierre, je kiffe ta soupe, Jean-Pierre. On devrait se tirer et l'envoyer chier. Jean-Pierre, le jardin le plus remarquable, vous qui aimez l'histoire aussi, que je connaisse, je suis sûr que vous ne le connaissez pas, ce jardin-là. Oh, et pourtant, Babylone. C'est celui de Napoléon à Sainte-Hélène. C'est un jardin, quand il a compris qu'il s'en sortirait pas, Napoléon, eh bien, il s'est... défoulé, il a fait un jardin. Voilà, un jardin magnifique et qui avait été remis en état par le consul parce que c'est un tout petit bout là-bas de terre française. Et il y a toujours un consul qui vit à Sainte-Hélène. Voilà, Monsieur Martineau qui entretient. Alors il y a la tombe de Napoléon où il n'est plus bien sûr, mais le jardin, est-ce le jardin est magnifique. Toujours le saule pleureur. Oui, les saules sur la tombe, oui. C'est magnifique. C'est-à-dire quand faut aller tout, c'est au sud de l'Afrique du sud. Non, c'est pas très sud que ça. C'est au centre de l'Atlantique Sud. Quoi, par rapport à la porte Champéret. Par rapport à la porte Champéret, tu vois, la pharmacie, le petit pont. Alors, présente-nous ton plat, Jean-Pierre. C'est un truc extrêmement bête et facile et bon marché qui s'appelle un Irish Stew. C'est un plat irlandais. Ce sont des pommes de terre, des oignons. Les pommes de terre et les oignons sont râpées très finement. Enfin, Tiens, je te mets la viande. Oh, vous connaissez ça? Non, tu ne mets pas la viande. Si, je te mets. Non, tu ne me mets pas la viande et rends-moi ma fourchette. Mais embrasse-moi sur la tête pour me... Et lèche pour enlever la... Voilà. C'est trop bon. Encore, il en reste, celle-là. Continue, tu peux lécher pendant une heure. C'est des actions vérité, ça, ou pas? Ah, ça, c'est des sujets de conversation pour quand on n'aura plus rien à se dire. On aurait pu en sortir un il y a 20 minutes. C'est peut-être le moment, non? Alors vas-y, lis un sujet à haute voix. Putain, si tu tombes sur Topinambour. Non, pas Topinambour. Je t'en supplie. Lance Armstrong. Alors ça, c'est un sujet intéressant. Lance Armstrong. Qui commence? Hugues. Je suis un grand supporteur de Lance Armstrong. Je pense que le scandale, c'est pas Lance Armstrong, c'est tout ce qui se passe autour. Parce que. À partir de la guerre, l'URSS, aux Jeux Olympiques, remportait un maximum de médailles et que tous les athlètes soviétiques étaient dopés par l'État. Si on veut attaquer des gens, comme ils ont fait pour Armstrong, il faut attaquer le vrai sujet. C'est-à-dire qu'en l'an 2000, on aurait dû annuler tous les records du monde existants bonne idée. Repartir à zéro, en disant on change de siècle. On dit repartir à 2-0, tu fais une faute de France. On change de siècle, on repart à zéro. Oui, les hommes politiques sont dopés. Les Chinois refusent de répondre au contrôle. Les chanteurs ont fait des fortunes en écrivant en faisant des concerts et en écrivant des chansons sous l'effet de la drogue. Alors, si on commence... Tu vas trop loin, Hugues. Si on rentre dans ce sujet... Il ne faut pas dénoncer comme ça. Inadmissible. Drucker, il est dopé pour toi? Marie-Myriam, elle en prenait. Je vais te dire un truc. Michel Drucker, c'est le seul Français que j'ai entendu, à part moi,
qui soutient l'Ensemble. C'est le seul qu'on interviewe aussi. Et je lui tire mon chapeau. Jean-Pierre, c'est pour toi, le gaspillage alimentaire. Est-ce qu'on peut en parler ? Toi qui as toujours des mesures concrètes, moi ce que j'aime chez toi, c'est que tu as toujours des solutions. Ça procède d'une mauvaise éducation du consommateur. Il est nécessaire d'expliquer au consommateur qu'un yaourt dont la date limite de consommation, la DLC, est dépassée de 48 heures, il est tout à fait consommable. Et donc, si vous voulez respecter les dates limites de consommation, vous faites des conneries parce que vous foutez la moitié des trucs à la poubelle. Ça veut dire concrètement qu'on peut manger, mais jusqu'à quand ? Deux jours après, on peut manger un yaourt ? Huit jours après. Ah bon ? Moi, 10 jours après, je les mange. Bah, attends, moi, je mange des yaourts 15 jours, 3 semaines après. Bien sûr. C'est quoi ton record ? 8 ans. Vrai gaspillage ne vient pas du particulier. Les gens qui aujourd'hui ont du mal à boucler les deux bouts, ils balancent pas. Je vous garantis que dans les familles les plus pauvres. Jean-Jacques et Chantal, c'est l'industrie. Maman, je propose deux mesures. Ah. La première, je ne présente pas. Non, déjà taxer les emballages, parce que quand on parle de gaspillage. Il y a deux fois plus d'emballages qu'il y a 30 ans. 40% des emballages servent à emballer des emballages. 40%. Moi, je propose une taxe sur le vide. Savez-vous que 20% des marchandises transportées contiennent du vide ? Ben oui. Tu reçois un colis, une pièce grande comme ça, t'as un truc grand comme ça. Si on réduisait le vide, on réduirait de 20% les mouvements de bateaux, de voitures. Mais tu prônes pour la suppression des miss ? C'est petit. Laurie, un sujet. Encore, allez. Ah ! Là. Alors, DP, hein, on reprend, mais nalisation du cannabis. Ah oui. Toi, Antoine, tu prônes ça pour les malades ? Ben moi, oui, déjà je pense que... Mais quoi ? Quoi donc ? La dépénalisation du cannabis. Moi, je pense déjà du point de vue médical, même aux États-Unis, où ils sont extrêmement prohibitionnistes en tout genre et tout, il y a une quinzaine d'États qui ont... Dont la Californie ? Oui, qui ont dépénalisé le cannabis médical. Quoi. Tu vas chez un médecin et tu as une... Sans ordonnance. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de sclérose en plaques et d'autres maladies. Et le cancer aussi. Et du sida. Oui, mais ça, c'est le médecin qui doit décider. Oui, c'est le médecin qui décide. Voilà, c'est ça. Bien. Quelque part, une excitation chez les gamins en plus d'enfreindre la loi. Quoi. Voilà. Il y a actuellement un pays qui est le Portugal qui a dépénalisé totalement toutes les drogues en quantité consommable personnelle, quoi. Et ils ont le nombre le plus faible de toxicomanes. Comment tu contrôles ? Ah oui, c'est vrai, comment on sait ? Ben, c'est déjà... De toute façon, déjà, moins c'est interdit, plus c'est contrôlable, parce que c'est pas caché, quoi. J'essaie de défendre le métier du commerce de l'amour, les travailleuses du sexe, tu vois, qui sont très, très diabolisées maintenant. Et c'est la même chose, tu vois. Plus c'est interdit, plus c'est illégal... Plus c'est violent, mauvais, dangereux et tout. Actuellement, toute la misère qu'on décrit dans la prostitution, tout le malheur que décrivent ceux qui veulent l'abolir, c'est vraiment lié à la répression française. Quoi. Il y a beaucoup de pays tout autour de nous qui ont des solutions beaucoup plus pragmatiques, qui sont pas... attention, aucune n'est parfaite, mais au moins, quand la personne qui fait ce métier peut au moins aller voir les flics, peut au moins l'avoir, et sans se faire jeter, voire violer, etc. Quand il y a des gens qui viennent, peuvent vraiment les aider, c'est très différent, quoi. Dans le cadre de la discussion sur la dépénalisation, eh bien, demain, on boit un verre de trop, on nous supprime le permis, ouais. On fume une clope, Gaie Montparnasse. C'est 45 euros, mais j'aurais le droit, par contre, de fumer du hashish au volant. C'est complètement crétin. Non, t'as pas le droit. Il n'est pas question d'avoir le droit. Alain, c'est moi ou t'es con ? T'as pas le droit, non, t'as pas le droit. Il n'est pas question. Vous voulez une petite histoire amusante ? Non. Tu viens de la raconter. J'avais, il y a longtemps, quelques agents dans le service qui avaient tendance à se faire eux-mêmes leur propre production. À Versailles ? Savez-vous où est-ce qu'ils plantaient leurs pieds de cannabis ? Dans le château de Versailles. Dans les parterres de fleurs. Des parterres extrêmement... T'as de la beuh de Versailles, c'est génial. Extrêmement t'as de la beuh de Versailles ? On est vigilants maintenant. Non, mais c'était entretenu par le personnel, en plein soleil, et personne ne pouvait se douter que sous les fenêtres du château, parmi les cléums, géraniums ou je sais pas quoi, il y avait du cannabis. Louis XVI, il fumait le bédo ? Non, mais à l'époque, on disait que quoi qu'on dise, Aristote et sa docte cabale, le tabac est divin, il n'est rien qu'illégal. Merci, on se retrouve après la pub. Je peux poser une question à M. Raphaël Mizrahi qui n'a pas parlé. Non, c'est vrai, moi je regarde, je suis au spectacle. Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que ce truc que tu montes aux Folies Bergères qui m'excite énormément. Ah oui, j'organise la première nuit de la déprime et de la dépression. Le 18 février, le jour de la Sainte Bernadette sous Birou.
Ce mec est malade. Je reviens de Tahiti exprès. Et donc, si vous venez, si les gens qui viennent avec des ordonnances médicales, avec Prozac, Lexomil, Xanax, peuvent participer à un tirage au sort et on offre des allées simples pour Lourdes en seconde classe. Mais vraiment ou pas ? Vraiment, non, pour de vrai. Ouais, la SNCF est dans le coup. Tout le monde, à l'entrée, on distribue des Kleenex. Et tout le hall d'entrée est transformé en musée Grévin, mais d'être vivant. C'est-à-dire que le vrai Henri Lecomte sera là et il tiendra le stand. Il n'a pas le droit de bouger ? Bah, non, pas trop. Non. Il tiendra le stand. J'ai jamais pu gagner Roland-Garros. Donc en tenue d'époque et tout. Christophe Oblat, je l'ai appelé, il m'a dit oui, il tiendra le stand, je vais beaucoup mieux, mais ça ne devrait pas durer. Et après, il y a le plus grand concert que je vais essayer de monter, mais qui va se faire. Et tous mes potes chanteurs, Hugues en fera partie, vont venir chanter leurs chansons les plus tristes. Donc Hugues va chanter Céline, Stubol, Adamo, Tombe la neige, Nicoletta, Il est mort le soleil. Et voilà. Et je suis très fier de l'affiche, c'est ma fille qui l'a faite, l'affiche. Tu l'as ? Ouais, je l'ai, je vais montrer. Allez, montre-nous ça. C'est très important. Ta fille est à quel âge maintenant ? 13 ans. Moi, j'adore, ouais, c'est rigolo. C'est très manga. Ouais. Et là, il y a une phrase qui est intéressante, c'est « À quoi sert de courir après le bonheur alors que la déprime est à portée de main ?» Et Mustapha, t'as ton one man, le nouveau. Je reviens à Paris, ouais, le tout nouveau. C'est le nouveau, celui-là. Ouais, janvier 2013 au Théâtre Trévise. Et j'ai eu la chance aussi de faire une tournée aux États-Unis. Par contre, il fait ça à Los Angeles et tout, hein. Ouais. J'ai joué en anglais. En anglais dans le texte, hein. En anglais pendant 3 mois, ouais. Tes vannes en français, tu les mets en anglais ou alors tu t'adaptes au public américain, justement ? Non, j'ai écrit un sketch pour les États-Unis, mais je faisais mon entrée en français. C'est-à-dire que je venais, je racontais une blague en français à la con, et ça riait pas, et en anglais, je disais, je comprends pas, et elle marche tout le temps en France. Et après, j'avais une vanne, mais c'est très violent là-bas. Par exemple, ils ont une culture du stand-up qui est assez formidable, c'est qu'ils sont dans un souci d'efficacité, en fait. C'est-à-dire qu'en France, on est fan des humoristes les plus sympas. C'est vrai. Alors qu'aux États-Unis, on est fan des humoristes les plus drôles. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui disent pas bonsoir sur scène parce qu'ils estiment que s'ils disent bonsoir, le public va leur répondre et ils perdent 30 secondes de vanne et c'est 30 secondes où ils peuvent briller. Donc tu as des mecs qui arrivent sur scène et Chris Rock, par exemple, qui est un grand du stand-up, il arrivait sur scène, il disait pas bonsoir, il disait je suis arrivé là dans la rue, il y a une pute qui m'a dit pour $40, je te fais ce que tu veux. Je lui ai dit ok, repeins mon appart, salope. Et ça, c'était sa première phrase. Et il chopait les gens comme ça et tu as 10 minutes où tu dois briller. Et voilà, moi j'ai fait ça, j'ai joué 20 minutes, 3 fois par soir à Los Angeles, New York, Montréal, donc c'était formateur. Et t'avais que des gens qui te connaissaient ou des gens qui venaient découvrir un petit français ? Et non, ils ne me connaissaient pas, donc j'arrivais avec mes vannes, j'ai fait une audition pour être pris. Il y avait 50 Américains, j'étais le seul français. Ah ouais ? Ils ont un système, c'était, tu fais la queue pendant 3 heures, le mercredi après-midi, il y a des gens qui viennent de tous les États-Unis ou peut-être du monde, d'ailleurs. Raison, ouais. Après, tu signes un papier pour éventuellement faire une audition qui t'emmènera éventuellement vers un showcase. Et c'est peut-être bien, que quelques mois plus tard, tu feras 5 minutes. Et c'est quoi ta vanne qui a le mieux marché là-bas ? C'est « I'm Muslim, but you don't have to be afraid about me because I'm praying 5 times every day, I give money to homeless people and I'm trying to become a pilot. » Après, j'en rigolais, je disais « I'm kidding, I don't give money to homeless people. » J'ai un jeu pour vous. Avec quel personnage historique vous aimeriez avoir une aventure ? Cléopâtre. Une aventure ? Une aventure. Sexuelle ? Sexuelle. Amoureux, sexuelle. Alors vas-y, fais le tour de table. Donc moi, Cléopâtre. Cléopâtre, donc une aventure lesbienne. Ou Elizabeth Taylor. Et donc, ce qu'il y a de bien avec Cléopâtre, c'est que c'est... qu'elle était très moche, Cléopâtre. Oh, mais ouais, mais on s'en fout. Laurie, avec quel personnage historique ? Juliette a lancé Cléopâtre, j'ai envie de dire César. César ? Ouais. Antoine ? Simone de Beauvoir. Jean-Pierre ? Madame de Sévigné. Au lit, elle doit raconter des choses plus amusantes que dans ses lettres encore. Laurent ? Et toi, avec qui tu... Jeanne d'Arc. Je la mets sur le bûcher, je la démonte. Elle dit, je vais descendre. Je lui dis, t'en auras. Ah, c'est joli. Alors moi... Non, tu passes, toi. À toi. Ça va être dégueulasse, sinon. Non, vas-y, Hugues. Juliette. Juliette, la chanteuse. De Roméo. Capulet. Tu m'as fait peur. Oui, moi aussi, j'ai eu quelques angoisses. J'ai fabriqué les images. Écoute, Juliette de Roméo et Juliette. 15 ans, hein. 15 ans, oui. 15 ans, pédophile. 15 ans, oui. Je trouve que Juliette... Toi, 83, elle 15 ans, bravo. Et quelqu'un de profondément... Ça vous choque pas la différence d'âge ? Oh, 67 ans. Attends, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va, ça reste bon enfant. Je trouve que la chanteuse Juliette, d'abord en dehors du fait qu'elle ait beaucoup de talent, je trouve qu'elle est formidablement sexy. Oh non, non. Ah. Tu appelles d'où, Jean-Pierre ? Tu appelles d'où ? Je ne te capte plus. Non, mais allô, c'est... Jean-Pierre ? Alors, qui a une bonne blague ?
Qui a la blague qui tue? Tu entends quoi par une blague qui tue? Une blague drôle qu'on n'a pas entendue. Moi, j'en ai entendu une en Belgique. Ah, bah, raton, plein. Ah, bah, raton. Vas-y, Poulette. Je l'ai entendue en Belgique et c'est un Belge qui me l'a raconté en me disant « Ah, je vais te raconter un truc qui est typique de l'humour belge. » Et je ne vais pas faire cet accent. C'est pas bon de trop s'expliquer avant une blague. Non. Moi, elle m'a fait tellement rire, mais je ne suis pas sûre du résultat. Donc, c'est un Africain qui veut absolument venir vivre à Bruxelles. Vas-y, et ouais. Évidemment, il n'a pas de passeport. Il gagne à la loterie. Il joue à la loterie, il gagne à la loterie. Et il se dit, putain, avec l'argent, je fais un truc, je m'achète un passeport. Il va chez le type qui vend des passeports de deuxième main et lui dit, bah vas-y, avec l'argent que t'as, choisis celui que tu veux. Il regarde, et tout à coup, il trouve un passeport avec, qui est le passeport de Leonardo DiCaprio. Il dit, oh là là, je veux celui-là, je veux celui-là, je veux celui-là, ah, je suis trop fan, je veux celui-là. Le mec le fait, ok. Et on ne sait pas comment, il passe les frontières, bing, 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 bam, il atterrit à Bruxelles. Il est tout content, il marche dans la rue, il se fait siffler par un flic, il lui fait, oh, passeport, papier. Il prend le passeport, le flic regarde, il l'ouvre, la photo, le mec, la photo, le mec, la photo, le mec. Il appelle son collègue, il fait, Hervé, dis-moi, Hervé, le Titanic, il a cramé ou il a coulé? Et c'est quoi la chute? Je peux raconter mon histoire, j'ai une histoire très drôle. On va voter, moi je vote contre. Qui est pour que Raphaël raconte ton histoire? Moi je suis contre. Moi je suis pour. Qui est pour? On l'a pas beaucoup entendu. Alors admettons la démocratie. Alors c'était une soirée, j'étais chez un copain très riche. Que je connais. On peut deviner, ouais. C'est qui? Patrick Bruel. Non, plus riche. Ah, connu? Yves Mourouzi. Il est mort. Serge Labat. Non, on connaît le beaucoup plus riche. Homme d'affaires, ouais. Tapie. Olivier Mine. L'autre? Namour. Darmon. Ah, il est plus riche que Tapie? Ah oui, je crois, oui. Alors voilà, on était chez Jean-Claude. Il y a son meilleur ami, Johnny Hallyday, qui était là. Et il y a plein de gens, il y a pas mal de people, des présidents d'entreprises, etc. Et Johnny était assis à côté de moi. Et Johnny, à un moment donné, devait se faire chier, puis il me dit « T'as pas une histoire drôle ?» Moi, j'étais tétanisé, j'en connais aucune, mais j'en connais une un peu affligeante. Donc je dis « Tant pis, je vais lui raconter, quoi. » D'accord. Alors je dis « Voilà, Johnny, donc c'est un caramel mou qui rencontre un caramel aplati. Et le caramel aplati lui dit « Alors, t'as voulu jouer au dur ?» Caramel mou qui dit ça à l'aplati, voilà ça. Alors moi j'aime. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, le temps passe. Moi j'aime bien. Non, le temps passe. C'est pas ça, ça c'est bon. Voilà. Un quart d'heure se passe et à un moment il y a un silence et Johnny dit voilà, il y a mon copain Raph qui m'a raconté une histoire drôle, je vais vous la raconter. Oh, c'est génial. Et là moi j'étais. Et donc il me dit alors c'est. J'ai dit c'est deux caramels. Oh pute. Ah oui, c'est deux caramels, un caramel mou et un caramel l'aplati. Et moi, je lui souffle à l'oreille à chaque fois, ça. Et voilà, il y a le caramel mou qui dit au caramel aplati. Alors, t'as voulu faire du caramel? Maintenant, il y avait deux, trois personnes qui se marraient dans la salle. Tout était tombé. Tu sais, vous savez la différence entre une femme et une perle? Non? C'est un mec qui pose... C'est pas qu'une moule? Mec qui pose une question. Deux mecs qui se posent des questions et qui disent à l'autre... La différence entre une femme et une perle, je sais pas, mais écoutez, une perle, tu peux l'enfiler des deux côtés, tandis qu'une femme, tu peux l'enfiler que d'un seul côté. C'est faux. Ah bon? Le mec lui dit, mais il y a des femmes qu'on peut enfiler des deux côtés. Il dit, c'est des perles. C'est joli, c'est poétique. Ah, c'est joli. C'est très poétique. C'est elle est très jolie. Moi, je trouve ça moins jolie. Elle est pas drôle. Elle est très jolie. Mais elle est très jolie. Une petite devinette de bon goût, peut-être? La différence entre un plat d'épinards et une sodomie. Oh, ça doit être joli, ça. Connaît. Ah oui, tu me l'as raconté. Aucune différence, même avec du beurre. Les enfants, ils n'en veulent pas. Tu la racontes bien, en tout cas. Je sais pas pourquoi t'as du mauvais goût. Total respect. C'est quoi ton métier, toi, autrement, au départ? Et Alain, encore plus sordide, c'est un petit vieux, il traverse la forêt la nuit et il tient dans sa main crispée. Il l'a raconté à 3h du matin. Ça. Une enfant de 5 ans. On dort pas tous les deux, jamais. Qui pleure et qui fait « J'ai peur ». J'ai peur. Et le petit vieux regarde la gamine, il fait moi tout à l'heure, au retour, quand je serai tout seul, tu crois que j'aurai pas peur? Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. C'est vrai, ça me fait penser à l'histoire du mec qui est en bagnole et voit un petit gamin là sur près du fossé, je sais pas si tu la connais, et il est en train de chialer, il est pas bien, donc il s'arrête, il veut l'aider. Il dit qu'est-ce qui se passe, mon petit et tout, il dit c'est horrible, Enfin, on a fait un accident de voiture, tout le monde est mort, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout le monde. Il dit, tout le monde est mort. Tout le monde est mort.
tout le monde est mort. Bah putain, c'est pas ton jour de chance, toi. Hein. C'est un mec, un compositeur raté. Toute sa vie, il a fait des musiques, personne n'en veut et tout. Il a 77 ans et il sent que c'est un peu cramé pour sa carrière. Et un jour, sur son vieux répondeur, il a un message. Ici, une société, voilà, on fait un film, on a écouté votre musique, on voudrait votre musique pour notre film. Et le mec, il dit, c'est le jour de ma vie, il va au rendez-vous, il met sa cravate, son costume. Et le mec, ouais, ok, d'accord. Et lui, il tombe d'accord sur le prix. Et puis, il lui donne rendez-vous. On vous recevrait un carton d'invitation pour la première. Un an après, le mec reçoit un carton d'invitation, il s'habille et tout, smoking. Et il va dans, à l'adresse, le taxi le dépose dans un quartier un peu glauque. Et là, il rentre dans un cinéma pourrave, il s'assoit, il est seul dans la salle, et juste derrière lui, il y a un petit couple de vieux. La projo démarre, et c'est un porno, mais sordide, qui démarre. Et le mec, il est au bord des larmes, quoi. C'est le jour de sa vie, et puis c'est un porno, il n'y a personne dans le théâtre, et il y a un mec qui encule tout le monde. Il y a une nana qui arrive, il l'encule. La bonne arrive, il l'encule. Le voisin arrive, il l'encule. C'est pas très varié, ton film. Il y a un chien qui arrive, il l'encule. Et quand le mec, il encule le chien, il y a sa musique qui démarre. Et là, il est partagé entre la tristesse et la fierté. C'est sa musique, tu vois. Et il pleure. Il a envie de partager ce moment. Et quelqu'un, il se retourne, il voit le couple de petits vieux. Et il fait... C'est ma musique. Et le petit vieux derrière, il fait, c'est notre chien. Vous vous rappelez d'Antoine? Qu'est-ce qu'il devient, Antoine? J'avais vu un enfant comme ça, une fille comme ça, les enfants s'arrêtent pour la regarder. Comme ça. Eh ben, c'est fou. On l'appelle Canel. On peut pas faire sa petite sieste tranquille, non? Il est en plein jet lag, Antoine. Bonsoir. Enchanté, c'est la bienvenue, mais alors, Laurent. Mais de même. Je suis ravi d'avoir passé ces heures avec vous, mais le devant m'appelle. Rendez-vous à l'Olympia. Bon, je vous embrasse tous. Le 14. Passez une bonne soirée. Merci. À bientôt. Salut Hugues. Salut. Salut Antoine. On dit Hugues, salut, hein, tu l'as dans le désordre. Ciao. Salut. C'est terrible, hein, les vieux navigateurs. Ah oui, c'est ça, tu sais. 14 novembre à l'Olympia. Hein. Oui, t'as intérêt à venir, moi je serai. Salut. Tu seras. Police! C'est pas un jeu, c'est... Police? Oui, ah, mais calme-toi, ouais. Tout va bien. Mais on fait un blind test, sérieux. Allez, on fait un blind test. Ah oui. Police, allez, un autre. Patrick Sébario. Patrick Sébario. Doobie Brothers. Non, c'est... Que t'as dit quoi? Doobie Brothers. Je l'avais, Doobie Brothers. Patrick Sébario. T'as dit quoi? On donne les noms de film ou il y a les chansons? C'est pas Santa Esmeralda? Doobie Brothers. Donc, c'est Doobie Brothers qui joue dans mon disque, là, le dernier. Mais de quoi vous parlez? Tennessee, Johnny Hallyday. Ouais, Johnny Hallyday. Michel Berger, s'il vous plaît. Ouais, Berger, t'as raison. Enfin bon. Ouais, non, mais parlons des vrais créatifs. Céline Dion. Un peu plus dur. T'as raison. Ah oui, voilà, ouais, ça je reconnais. Merde. C'est une compo à toi, ça, non? Ça pourrait pas. Enfin, j'aimerais bien. Le pénitencier. Un français, ça. Je vais dire le titre, tu vas tout de suite faire... Des indices. Un français un peu groovy. Amoureuse. C'est les Wonder. Ah, Bruno Ricci. Lui, c'est Wonder, c'est Wonder, c'est Wonder, c'est Wonder. Isn't she lovely. C'est pénitentiaire, non? Qu'est-ce que c'est? Isn't she lovely? Isn't she pretty? Nous sommes les enfants que tu n'as jamais eus. Il y a longtemps que je le savais et je ne l'oublierai jamais. Non, ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, tu aurais pu rendre un homme heureux.
Versailles. C'était une soirée de dingue. Le père Koff était au top, Hugo Frey extraordinaire. Ma fille, par contre, ce garçon est quand même un peu limité. Vraiment limité. Mais enfin, c'était quand même une soirée quand même sympathique. Laurent, c'était un plaisir d'être là. L'entrée était pas géniale. Le plat de résistance, bof. Le dessert, no comment. Mais tu es mon plat de résistance, je tiens à te le dire. Je t'embrasse très fort. S'il te plaît, Laurent, la prochaine fois, amène plus de jeunes, s'il te plaît. Mustapha, Raphaël, ça va très bien. On les faisait un petit peu pour ma part. Mais des surfeurs, Kelly Slaughter, Michel Bourrez, il y en a plein. Je conseille, ramène-nous plus de jeunes, s'il te plaît. C'était un super repas, merci à tous. À très vite, ciao. Eh bien, salut Laurent, c'était une excellente soirée, peut-être un petit peu long, mais j'ai un problème de décalage horaire. Voilà, je t'embrasse et à bientôt. Bon, ben voilà, le dîner s'est très bien passé. J'ai remercié beaucoup à Jean-Pierre, qui était un amour, un ange, vraiment très gentil. Très gentil, avec une main complètement baladeuse. J'ai senti ses petites mains de songe tripoter mon petit corps.